Bah là, c'est pas mal pour nous. On avait du matos à tester, des voiles à tester dans des conditions légères. On a eu beaucoup de vents justement assez faibles, sinueux, si ça dit quelque chose aux connaisseurs. Ça fait une dizaine de kilomètres heure, en gros, je pense un peu plus. On a pu vraiment trouver des réglages plus performants dans ces conditions, une manière de conduire le bateau plus adaptée au pré, donc quand on remonte contre le vent ou au vent arrière aussi, sous spi, on a pu confirmer une technique qu'on avait développée et qui marche bien. C'était vraiment dans le petit temps où on était un peu en difficulté, là on a vraiment pu progresser sur ce point-là. Je travaille avec Seb, c'est pas mal parce que j'ai commencé, il m'a donné un travail plus axé sur l'équilibre. On gagne quand même en force, même si on fait des exercices qui sont moins intenses avec moins de poids ou moins de charge, mais on gagne quand même plus au final par le simple fait d'être dans une situation de déséquilibre. On a rempli, je pense, une bonne partie de ce qu'on voulait faire et maintenant on va devoir le confirmer la semaine prochaine. On retourne à Palma pour la Coupe du Monde, la World Cup qui aura lieu, qui commence lundi prochain en fait, et on va confirmer ça durant cette épreuve, j'espère.